Bon, au moment où tu regardes cette vidéo, je ne sais pas dans quel état je suis. Soit je suis content, soit je suis dépité, soit je suis résilié, soit je viens de balancer mon modem par la fenêtre parce que j'ai reçu aujourd'hui même la box de chez Free. Alors, elle a rien à voir avec celle des SFR, là. Ça, ils m'ont envoyé un truc, franchement... je suis pas 100% fan du design, je vais pas te mentir, hein, mais ça fonctionne dans le sens où j'aime bien le concept et le style et le visuel. Ça peut très bien se marier dans une décoration un peu tech et un peu industrielle et tout. Contrairement à ma vieille boîte, tu vois, je dis déjà ma vieille. Tu vois, je suis déjà en train de dénigrer la box des SFR alors que je sais même pas si celle de Free va fonctionner. Parce que je suis dans l'euphorie de ce qu'ils m'ont promis, mais je n'ai encore rien testé. Faudra attendre la troisième vidéo pour savoir si ça a fait quelque chose. Donc voilà, là, ça se présente ainsi, la box se présente ainsi. Ils m'ont donné aussi je sais pas si c'est un répétiteur, je crois, avec. Et un truc Freebox Pop Player. Je ne sais pas ce que c'est. En fait, je sais pas. J'ai ça. J'ai deux autres boîtiers encore. J'ai pas encore vraiment compris à quoi ils servent de manière explicite. Mais on va essayer tout ça. Je vais même pas enlever le filigrane. Je vais même pas enlever le filigrane dessus. Au cas où il faudra le rendre, je vais le laisser. Donc on va aller tester tout ça et on va voir si ça a changé. On va dire que ça a changé la vie d'ici. Bon allez, je reviens vers toi après le test. Donc du coup, peut-être qu'il faudra pas attendre une troisième vidéo en fait. On va peut-être pas besoin, on va peut-être clore le débat et on va peut-être bien fermer le sujet une bonne fois pour toutes sur cette vidéo. Bon, clairement, je n'ai aucune certitude que je vais avoir un meilleur débit que ce que j'ai déjà. C'est juste que c'est basé sur le fait que l'opératrice m'a dit que comparé à SFR, qui me fournit un certain débit, je crois qu'ils me fournissent à peine du 2 Mbps, je crois. J'ai pas tout. Mais elle m'a dit que j'aurais entre 12 et 13 délivrés. Bon, c'est basé sur... c'est elle qui m'a dit ça. Donc du coup, tout ce qui me restait à faire, c'était de tester. Mais je n'ai aucune certitude que ça va fonctionner tant que je n'ai pas essayé. Et ça me revient à me poser la question de, c'est le concept de vouloir louer quand tu es vidéaste ou photographe. Est-ce que ça a un sens de louer son matériel plutôt que de le posséder? Tu vois? Ça peut être une réflexion que tu peux avoir. Est-ce que je loue mon matériel? Est-ce que je l'achète? Parce que quand tu vois le prix, est-ce que je vais vraiment mettre de l'argent dans ça alors que je vais peut-être pas l'utiliser souvent? Bon, le truc, c'est que ça va te demander énormément de logistique puisque quand tu fais de la location, il faut que tu sois sûr qu'il y ait de la disponibilité en même temps que quand tu en as besoin, quand tu vas avoir ton besoin de filmer. Si tu as un besoin précis, il faut être sûr que ce soit disponible. Ça, c'est un petit peu, entre guillemets, les petits désagréments de la location. Tu n'as pas ton matériel en temps voulu, qui veut dire en instant T. Tu dois programmer aussi. Bon, c'est juste un peu de logistique, c'est pas un truc de ouf. Mais ça a quand même ses avantages. Ça a quand même ses avantages, c'est le fait de pouvoir tester et d'expérimenter plusieurs types de modèles, de marques et d'appareils différents. Qui veut dire que... disons que si tu as l'appareil pour 50€ la journée, ça te permet pendant une journée de tester des appareils différents afin de pouvoir être sûr
de celui sur lequel tu vas tomber et expérimenter plus tard. Alors, pourquoi je te dis ça? Parce que c'est exactement par ce concept-là que je suis passé. Et je parle de simplicité. Il faut que tu te simplifies au maximum ton workflow. Il faut que ce soit simple. Qui veut dire que même l'appareil que tu utilises, il ne faut pas juste acheter un appareil parce que c'est la hype, parce qu'on en parle partout, parce que tu vois que l'un de tes youtubeurs ou photographes préférés en a un, ou parce qu'on t'a dit que c'est le meilleur. Si tu regardes bien sur ces derniers temps, là, sur la plupart des chaînes, les gars, ils commencent chez une marque et ils finissent chez une autre parce qu'eux aussi, ils ont compris le truc. Même s'ils te disent à chaque fois, cette marque-là, c'est la meilleure, cette marque-là, c'est la meilleure, eux-mêmes, ils ne restent pas dans une marque si, arrivé à un moment, elle ne les simplifie pas la vie, justement, la tâche pour bosser. Et c'est comme ça que j'ai réussi à comprendre pourquoi j'avais besoin de la Blackmagic. Parce que la Blackmagic, par rapport à comment je taffe, c'est l'appareil le plus simple à utiliser pour moi. J'ai tout ce dont j'ai besoin à portée de main. Et l'interface, j'ai horreur de ça. J'ai horreur de rentrer dans les interfaces, chercher les menus, j'ai horreur de ça. Je veux pouvoir régler une bonne fois pour toutes et que si j'ai à changer des points, que ce soit rapide et que je n'ai pas à naviguer dans énormément d'onglets différents. C'est ce que m'apporte la Blackmagic, qui fait que elle est déjà pré-réglée et tout ce que j'ai à faire, c'est switcher entre les différents modes d'enregistrement dont j'ai besoin. Si je veux faire de la 4K avec une bonne qualité, mais que je veux privilégier l'espace de stockage, ben j'ai un preset qui est directement installé pour ça et qui est beaucoup plus simple à mettre en place que sur tous les autres appareils que j'avais eu avant. Sur le Lumix, il y a genre C1, C2, C3, c'est pas mal, mais il faut rentrer dans trop de paramètres pour pouvoir les régler. Sur le Sony, c'est pareil, tu as M1, M2, M3, mais encore une fois, c'était assez compliqué au niveau de l'interface. Alors que sur la Blackmagic, tu allumes, tu as un bouton ici, tu vas dans le menu et tu as un menu qu'on appelle pré-réglage et tu fais ton réglage. Tu fais d'abord ton réglage dans ton menu général, dans enregistrer. Une fois que tu as fait dans enregistrer, tu as fait ton menu, tu vas dans pré-réglage et tu l'enregistres. Voilà. Et quand tu veux changer, tu retournes dans enregistrement, tu rechanges deux, trois petits paramètres que tu veux, tu vas dans pré-réglage, tu fais enregistrer un nouveau. Et voilà, et c'est fini. Et c'est fini. Et tu n'as pas besoin de faire plus. Donc, c'est un petit peu cette vision-là de la location que j'ai expérimentée et qui m'a poussé à me diriger vers une Blackmagic plutôt que d'autres types d'appareils qui sortaient en même temps et qui sont sortis même après la Blackmagic Cica Pro. Parce que louer, ça peut être bénéfique. Ça peut être bénéfique pour toi parce que à force de tester plusieurs appareils différents et que tu n'as pas la... entre guillemets, tout ce, t'as pas besoin de chercher tout ce qu'il faut mettre autour. Tu vas dans ta boutique de location, tu dis voilà, je voudrais un appareil qui fasse ça, 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 ça. Tu testes un premier, tu regardes si ça fonctionne pour toi, ça fonctionne pas, boum. Tu vois, le fait que tu ne l'as pas acheté, que tu l'as loué et que tu sens que c'est pas l'appareil qui est fait pour toi, tu peux le rendre. Tu vois, t'as moins de démarches à faire que par exemple si tu vas, t'achètes l'appareil, tu l'as payé un bon gros prix, tu rentres, tu commences à le tester. Tu l'aimes pas, mais tu vas te forcer à t'y faire parce que tu l'as déjà acheté, quoi. Tu as déjà lancé les trucs et des fois, si tu es comme moi un peu flemmard pour rendre les choses, ça peut être compliqué. Moi, une fois que j'ai acheté quelque chose, c'est très compliqué pour moi de faire tout ce qu'il y a comme mettre dans la boîte, rendre. Je sais pas pourquoi, je peux pas t'expliquer pourquoi. Je n'y arrive pas. Je n'y arrive pas. Pour moi, je l'ai acheté maintenant, je vais faire ce qu'il faut avec. Alors qu'il y a énormément de facilité pour rendre le produit. Mais je sais pas, de la même manière que j'ai été l'acheter, je peux tout aussi aller le rendre, mais j'y arrive pas. Bon, sauf pour certains produits, quand tu vois qu'ils sont défectueux et que tu veux le rendre et récupérer ton argent. Mais dans l'autre côté, le concept d'acheter un produit ou un appareil photo ou un appareil vidéo et de voir que c'est pas vraiment celui qu'il te faut, mais tu te forces à le tester jusqu'à ce que tu finisses par le prendre en main, je ne pense pas que ce soit une bonne idée. Avant d'arriver à ce stade-là, commence déjà par tester plusieurs types d'appareils différents, tu fais de la location ou tu fais de l'emprunt, tu les testes une journée, tu regardes comment ça fonctionne, tu en testes un deuxième et tu en testes un troisième jusqu'à ce que tu sois habitué et plus avoir un feeling avec l'un plus qu'avec l'autre. Et là, ça te permettra d'être sûr pour ton achat futur. Et c'est exactement ce que j'ai fait avec Free là. Là, je vais tester Free, mais je n'ai aucune idée de si ça va fonctionner mieux que SFR. Mais je vais essayer. Je vais tester, j'ai loué la box chez eux, là, et tout, ils me l'ont envoyé, je l'ai reçu, je l'ai monté, c'était pas trop compliqué à monter.
Et là, on va faire un test. On va essayer ça pendant une semaine. Et si au bout d'une semaine, tu vois qu'il y a plein de vidéos qui sont uploadées sur la chaîne, c'est que j'ai gardé la box de chez Free et que j'ai dit sayonara, au revoir, arrivederci, à fous-moi le camp, à SFR. Voilà. C'est tout ce que je voulais dire pour cette fois. J'ai dit que j'allais terminer cette vidéo une bonne fois pour toutes sur le sujet et c'est ce que je vais faire. On va pas aller plus loin. Là, on va tester Free et je te donnerai le résultat dans la prochaine vidéo parce que là, j'ai pas encore pu tout tester. J'ai pas encore pu tout lancer parce que j'ai mon épouse qui bosse encore en télétravail, donc elle a encore besoin d'internet. Moi, je vais pas lui couper internet et ne pas savoir si ça va fonctionner. Après, ça va prendre du temps pour se relancer, il faut rebrancher. Bon, bref, t'as capté. Donc là, on va attendre, on va faire ça ce soir tranquillement. Et les premiers tests que je vais faire, ça va être balancer une vidéo sur YouTube, faire un téléchargement et lancer un téléchargement sur la Xbox pour voir à quel débit ça pompe. Sur ce, les gars, je te souhaite une agréable fin de soirée, fin de journée. J'espère que tu auras cette vidéo. Like, commente, partage. Et c'était Flo.